Hello mes beautés, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien ma belle. Aujourd'hui on est typiquement en mode féminité, on va parler de la maturité, on va parler de l'âge, de la trentaine. À 30 ans ma belle, tu es une adulte, t'es plus une gamine. Ça paraît évident de dire ça comme ça, mais je te promets que tu croiseras d'autres nanas, d'autres femmes qui ont le même âge que toi, mais qui dans leur tête, niveau maturité, elles en ont 10 voire 15 de moins. À 30 ans, tu es censée être et te comporter comme une adulte. Tu sais, quand on a 20 ans, quand on a 20 ans, on sort de l'adolescence. On pense qu'on connaît la vie, mais en fait, on connaît rien. Moi, la maturité, ma belle, que je pensais avoir quand j'avais 20 ans, c'est maintenant que je l'ai. C'est-à-dire 10 ans plus tard, la femme que je pensais être en disant, moi, je suis une femme et tout. Non, en fait, tu sors juste de l'adolescence, tu es juste l'école. Et encore chez nous, au Cameroun, la majorité, c'est à 21 ans. Et je pense que c'est pas plus mal. Les gamineries de gamins puérils, c'est terminé. À 30 ans, ma belle, que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, que tu te comportes comme ou pas, en tout cas, tu es une adulte. Et en tant qu'adulte, à 30 ans, tu es censée savoir gérer tes émotions. Tu es censée te connaître, ma belle, à 30 ans. Tu connais tes émotions, tu connais ta personnalité, que ce soit par la spiritualité, l'astrologie, je te parle tout le temps d'astrologie, tes points forts, tu connais tes points faibles, tu connais tes triggers, tu sais ce qui peut t'embêter, ce qui peut te faire sortir de tes gonds. Tu te connais, tu te maîtrises, tu te gères. Nous, les femmes, la féminité, c'est les émotions, c'est les hormones. Il faut connaître cela, il faut connaître ton cycle, il faut connaître tes émotions. À 30 ans, ma belle, tu es censée savoir gérer ton argent. Ouais, on fait plus de dépenses inutiles. Tu sais gérer ton budget. Tu sais ce qui rentre, tu sais ce qui sort, tu sais ce que tu épargnes, tu sais ce que tu investis. Tu sais quand te faire plaisir, tu sais faire attention. Tu as eu 10 ans pour savoir gérer tes sous. À partir du début de cette décennie, tu es censée savoir gérer ton argent, sinon tu vas t'en mordre les doigts. À 30 ans, ma belle, tu n'es plus naïf, d'accord? Tu peux plus te permettre d'être naïf. Tu as eu le temps de faire tes erreurs. Tu as eu le temps de croire les gens sur parole. Et tu connais cette expression qui dit que les promesses n'engagent que les personnes qui les croient. À 30 ans, ma belle, tu n'es plus naïve. Que ce soit au travail, avec tes amis ou avec tes amours, si tu continues d'être naïve à 30 ans, tu vas le payer 10 fois plus cher. Si c'est pas déjà, ça n'a pas déjà été le cas. On ne croit plus les gens sur parole. Tu crois ce que tu vois, tu crois les preuves que tu vois, tu crois les actes qui sont posés. À 30 ans, tu n'es plus censée être bêtement naïve. Faut arrêter ça. C'est terminé. À 30 ans, ma belle, tu as appris de tes erreurs. Il y a des erreurs qui reviennent dans nos vies comme des schémas, comme à répétition. Et tant que tu n'intègres pas les leçons qu'elles essaient de t'apprendre, tu vas continuer de les commettre, ces mêmes erreurs. À 30 ans, ma belle, tu as compris les leçons à tirer de tes erreurs et tu ne les commets plus. La dernière grosse bêtise que tu as faite, celle à laquelle tu penses là tout de suite, la leçon à tirer, tu es censé l'avoir intégrée. Et c'est pas juste le mettre dans un coin de la tête et recommencer, c'est l'intégrer et l'appliquer et ne plus faire les mêmes erreurs. À 30 ans, ma belle, tu es censé avoir appris de ces erreurs-là qui reviendront jusqu'à ce que tu aies compris. Tu n'as pas tout compris, d'accord? On n'a pas la science infuse à 30 ans, c'est pas l'âge où ça y est, mais tu es censé avoir tellement de fois fait cette erreur que ça y est, tu as compris. On n'est plus manipulable. On voit les choses venir. Tu les as commises, les erreurs. Tu as appris les leçons. La naïveté, elle est gone. She's far away, gone. J'ai eu le temps de tester des looks bizarres et je suis passée par là. J'ai eu des looks pendant ma vingtaine, des trucs sur la tête. J'ai fait des trucs à mes cheveux. J'ai eu des looks, je me disais, mais qu'est-ce que j'avais dans la tête? Et c'est normal, c'est là où on se cherche à tous les niveaux. Tu seras beaucoup plus belle gosse à 30 ans, crois-moi. À 30 ans, ma belle, tu sais dire non. N-O-N, non. Nada, niet, nope, no. C'est pas un non, mais non, non. C'est non. N-O-N, non. C'est pas je dis non et je pense oui. Ta parole est d'or. Tu te connais. Tu te maîtrises, tu sais. Donc quand tu dis non, quand tu dis stop, tu maîtrises tes boundaries. Tu connais tes priorités, tu connais les distractions, tu connais ta valeur, tu connais tes principes. Tu te connais, tu te maîtrises, tu te gères. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu gères tes émotions. À 30 ans, tu sais dire non, ma belle. Dans quelques domaines qui soient, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec la famille et surtout dans tes relations amoureuses, ma belle, tu sais dire non. Après que tu changes d'avis, ça te concerne toi. Mais quand tu dis non à l'instant T, pour quoi que ce soit, tu t'y tiens. Une femme de 30 ans sait dire non. On n'est plus des people pleasers, on n'est pas des pick me. Tu as eu le temps d'être une pick me si tu l'as été dans ta vie. Tu ne cherches pas à être choisie, tu ne cherches pas à être validée. Tu ne cherches pas l'approbation, tu ne cherches pas l'amour. Tu ne commandes pas l'amour de qui que ce soit. Et tu sais dire non. À 30 ans, ma belle, tu sais prendre tes clics et tes claques et te barrer. À 30 ans, tu te choisis.
À 30 ans, tu sais que ton temps est précieux, ta présence est. Donc, si tu es dans quelque environnement, quelques milieux, quelques phases, quelques étapes de ta vie où tu as l'impression qu'on ne respecte pas ta valeur, qu'on ne respecte pas ta parole, je te mets juste ici ma vidéo sur l'art du silence. Tu sais mettre fin à une relation, tu sais quitter un boulot, tu sais partir, tu sais que ta présence, le fait d'être là, c'est une plus-value pour la personne, pour la situation, pour l'entreprise, pour le cadre, pour les membres familiaux avec lesquels tu es. Et si eux ne savent pas, toi, à 30 ans, tu connais ta valeur. Et à 30 ans, ma belle, je pense que tu dois faire le travail sur toi-même pour guérir de tes traumas. Il faut avoir guéri des parents que tu aurais souhaité avoir, je te dis ça en connaissance de cause. À 30 ans, tu vois tes parents pour ce qu'ils sont. Et surtout, tu fais le deuil, tu te dis, ok, ces parents-là que j'aurais aimé avoir, ne leur en veux plus. C'était des adultes comme toi. Tu es une adulte maintenant qui ont fait des choix, certainement imparfaits, mais c'était leur choix. Faut le respecter. À 30 ans, ma belle, tu peux toujours te former. Ne pense pas que ça y est, c'est fini. Si tu es toujours en études, continue. Moi-même, je suis retournée me former. J'ai commencé mon école de jazz. J'avais 27 ans. Et je l'ai faite pendant 2 ans. Tu peux toujours te former si tu sens que tu as besoin de reculer pour mieux sauter. Si tu sens que tu as besoin d'acquérir certaines compétences pour sublimer un projet entrepreneurial, un business, quelque chose. Monter hiérarchiquement dans ton entreprise, fais-le ma belle. Tu as la vision, tu sais là où tu es, tu sais là où tu vas arriver. Et tu es sur ce chemin-là ma belle. C'est très important. Et si besoin, s'il y a besoin de reculer pour mieux sauter, s'il y a besoin de te former, d'acquérir d'autres compétences pour avancer, fais-le. À 30 ans, tu as largement le temps. Il y en a qui retournent se former à 40 ans, à 45, voire à 50 ans même. À 30 ans, tu sais que tu n'as plus de temps à perdre. Donc, chaque voie que tu choisis, tu y vas, mais de façon redoutable. Et c'est pour ça que j'adore cette période de ma vie, parce que je sais que dans tout ce dans quoi je m'engage, je n'y vais que pour exceller. Je prends le temps de réfléchir, de cadrer, prier dessus pour être sûr, pour demander à la grâce du bon Dieu de me donner la force mentale et physique et le mindset, et j'y vais et je ne perds pas. À 30 ans, ma belle, en tant que femme noire, je pense que tu dois être en phase avec ta beauté naturelle. Tu as la vingtaine pour te chercher, etc. Et celles qui le comprennent le plus tôt possible, tant mieux. Mais à partir de 30 ans, ma belle, tu es censée te rapprocher un peu plus de ta beauté naturelle. Tu es censée avoir compris que laissez-moi. Cette règle en beauté, en féminité, elle est d'or. Laissez-moi, ma belle. Le moins t'en fais, le mieux c'est. Assume la couleur naturelle de tes yeux pour celles qui mettent des lentilles de couleur à 30 ans passés. Il y en a, hein. Elles vont te jurer sur tout ce qu'elles ont de plus cher que c'est leurs vrais yeux. Tu regardes, tu mets. Ça, tu fais ça quand t'as 20 ans, mais à partir d'un certain âge, tu t'en fous. T'as plus rien à prouver, en fait. T'as envie de mettre une wig, tu la mets. T'as envie de mettre des extensions, tu les mets. T'as envie de venir avec ton afro, tu fais. T'as envie de te raser les cheveux, tu fais. Quand tu approches la trentaine, quand tu es dans ta trentaine, you are that girl. Tu es cette nana, tu es cette go-là, tu es cette femme-là. La seule personne à qui j'ai des choses à prouver, c'est moi d'il y a 3 mois. C'est moi de l'année dernière. C'est moi qui était paumée, qui était mal dans sa peau à 24 ans, à 25 ans, à 23 ans, à 21 ans, à 28 ans. À 30 ans, tu es cette femme-là. You are that girl. Tu es cette femme-là. Vraiment. Évidemment, ma belle, qu'à 30 ans, tu choisis ton cercle d'amis. Tu choisis ton cercle. Tu l'as compris, ça. Tu n'hésites pas à couper. On coupe. Avec les gens toxiques, avec l'ex toxique, avec la famille toxique, avec les amis, on coupe. Il y a des erreurs qu'on commet par naïveté, on ne savait pas. Et je pense que l'univers, Dieu, nous les pardonne. Mais je pense qu'à 30 ans, tu as eu le temps de les commettre, ces erreurs. Tu as eu le temps de comprendre la conséquence de certaines paroles que tu as pu placer, de certains actes que tu as pu poser. Et si tu n'as pas compris, cette fois-là, quand tu les répètes, ces mêmes bêtises, l'univers ne te pardonne plus. Je pense que le ciel ne te pardonne plus. À 30 ans, tu es censé avoir compris cela. Ça n'a pas arrivé, ça arrive à tout le monde. Je te dis moi-même, je suis un signe de feu. Après, j'ai appris à maîtriser mon feu, je suis un sagittaire. À 30 ans, on apprend à la dure. À 30 ans, on apprend à la dure. Parce que tu es censé avoir commis ces erreurs plusieurs fois. À un moment donné, ce ne sont plus des erreurs, c'est des habitudes, c'est volontaire. Donc là, tu le paies cash. Ah oui, j'allais oublier, à 30 ans, ma belle, t'es censée savoir si tu veux des enfants ou pas. Tu devrais le savoir. Et si ce n'est pas une question que tu t'es déjà posée, tu dis que tu vas avoir le temps, c'est maintenant. On verra plus tard, le plus tard, c'est maintenant. Et si tu veux avoir une famille, avoir des enfants, te marier ou pas, je te promets, ma belle,
ne remets pas ces questions à plus tard. Te retrouve pas à la fin de ta trentaine de dire, bon, est-ce que ça, maintenant, on ne sait jamais, bah, tu peux avoir, on ne sait jamais, je ne le souhaite à personne, tu peux avoir des problèmes de fertilité. Te retrouve pas frustré à un certain âge et d'avoir loupé ce coche de la maternité, c'est ce que tu veux, ou du mariage. Après, voilà, le mariage n'est pas une fin en soi, ce n'est pas ce que tout le monde désire. En tout cas, si c'est ce que tu veux, tu dois commencer à y travailler dès maintenant. À 30 ans, ma belle, tu sais que tu te mets ou tu épouses celui qui t'aime plus, pas l'inverse. Je pose ça là comme ça. You don't build a man. On va parler un petit peu en anglais pour. T'as compris, ma belle, qu'on n'aide pas un homme à devenir un homme. On n'apprend pas un homme à devenir un homme à cet âge-là. On t'a eu le temps de faire ces conneries-là, ces erreurs-là dans la vingtaine, mais à 30 ans, tu sais que tu n'aides pas un homme à devenir un homme. Tu n'apprends pas un homme à devenir un homme. Tu ne pourras jamais faire de lui l'homme que tu voudrais qu'il soit. Il est ou il ne l'est pas. Point barre. Et les gars, je vous adore, hein, cœur sur vous. Mais là, je m'adresse aux nanas, vous savez. Voilà, valou mes beautés. J'espère ne pas avoir été trop longue. C'était important pour moi de faire ces petites vidéos. Beaucoup de nanas de ma génération, fin vingtaine, début trentaine, sont toujours en mode t'as quel âge? J'ai 30 ans. Non, mais moi, je dis tellement. J'ai 31 ans, je vais avoir 32 ans. J'assume totalement. Il n'y a pas à faire une grimace en disant que tu as eu 30 ans. C'est pas une honte. Moi, je le vois comme une bénédiction, comme une grâce. Je suis tellement fière de la femme que je suis aujourd'hui et que je continue d'être. J'ai hâte de voir ce que je serai dans 5 ans, dans 10 ans, par la grâce de Dieu. N'hésite pas à liker, mettre un petit commentaire, me dire ce que tu en as pensé en commentaire. À t'abonner, bien sûr. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.